bah, très impressionnée parce que c'est la première fois que je viens au VVA Business Park pour une soirée. Et comme d'habitude, le Tegoma et l'Ego Austral, ils font toujours des belles choses, ils font des belles soirées. On est très très bien accueillis et c'est très convivial entre les amis. Je retrouve ce soir trois amis sur le podium. Le 4 est très enchanteur. Je suis aujourd'hui très motivé d'être là. Et pendant un mois, entre les interviews, la radio, un peu fatigué, mais content d'être là ce soir. Là, nous sommes en train de montrer la collection privée d'Afrasia pour faire profiter aux gens et aussi à tous les invités d'œuvres d'art de haute facture dans un lieu magnifique et aussi au cours d'un événement magnifique. Vous avez 5 luminés qui sont 5 luminés valables, tous dans leur secteur. Donc je pense n'importe lequel qui va gagner le méritera amplement. On verra bien. L'Éco Austral est particulièrement heureux de vous accueillir sur ce site chargé d'histoire et qui a participé de façon incontestable à l'essor entrepreneurial de notre île. Cela était donc une évidence d'y organiser cette 11e élection de l'entrepreneur de l'année et nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Mesdames, Messieurs, le directeur général de l'Éco Austral, Monsieur Alain Foulon. Donc, chers amis, chers partenaires, chers entrepreneurs de Maurice, je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'Éco Austral à cette 11e édition de l'élection de l'entrepreneur de l'année dans ce beau site. L'entrepreneur de l'année est enraciné dans son tissu économique, mais il regarde aussi plus loin vers l'innovation et la conquête de nouveaux marchés. Le Tekoma est aujourd'hui devenu une marque, celle de l'entrepreneuriat de l'océan Indien. Cela nous amène à parler de coopération régionale, un sujet qui reste encore vague, tant il est marqué davantage par des paroles que par des actes. Inexorablement, les échanges se développent, et cela devrait contribuer à une meilleure connaissance réciproque des hommes et des cultures économiques. Avons-nous encore le choix de partir dans cette bataille en ordre dispersé? Je ne le pense pas, et mon souhait est qu'avec le réseau Tekoma, l'Éco Austral puisse apporter sa contribution. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite donc à décompter avec moi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'entrepreneur de l'année 2013 est... C'est extraordinaire, une grande émotion après avoir reçu ce prix. Extrêmement fier de l'équipe qui m'accompagne tous les jours et que j'accompagne aussi. On s'accompagne mutuellement et dans cette aventure. On essaye de voir l'avenir ensemble. Et aujourd'hui, on vient consacrer le travail fait pendant plus de 40 ans. Et c'est magnifique. Moi, je suis fier, surtout pour toute l'équipe et puis pour tous les dirigeants qui ont toujours cru en l'avenir, qui ont toujours investi dans la nouvelle technologie, dans les équipements de pointe, mais aussi investi dans les hommes et les femmes. Parce que bon, on peut avoir les meilleurs équipements, mais si on n'a pas une bonne équipe, ça ne sert à rien. Pour moi, Prestigraph, c'est comme un bébé. Je l'ai conçu avec d'autres, et puis je l'ai vu grandir, je suis content, mes enfants travaillent là,
je ne peux pas dire plus que je suis pleinement heureux. Les cinq personnes qui étaient là ont tous montré que ils sont partis de rien, ou alors ils ont repris des affaires familiales qui étaient, c'est pas toujours facile, et ils ont réussi à durer et à rester dans la course. Donc c'est super, je les félicite. This is a great event by L'Eco Austral, and we're very happy to be sponsoring it as a Fraser Bank, because we see the business potential of Mauritius, not just only in Mauritius, but seeing so many of these companies doing business in Africa and in the region. So for us, we're just very delighted to see. It's a wonderful experience. Everyone's very positive, despite what's going on globally. So for us, we just think this is a great sign of optimism about where Mauritius is going as a place to do business. Impressionné par l'organisation, par le côté judicieux des choix du jury. Déjà quand ils nous ont choisi comme candidat, mais surtout aussi ce soir quand j'ai vu comment ils ont fait un très bon travail. Le choix était excellent. J'espère que ça va inspirer d'autres entrepreneurs à participer l'année prochaine. Et finalement, un mot de fin, je dirais merci à tous qui m'ont voté. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup que je connais et d'autres que je ne connais pas, et je leur dis merci beaucoup. Très très belle soirée qui célèbre l'entrepreneuriat à Maurice, et j'espère que ce sera du même niveau à La Réunion. Nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Le miracle économique mauricien n'aurait pas eu lieu si derrière, ce n'était pas des hommes, des entrepreneurs. Merci.